Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Jurassic Park. Sur la route par là-bas, vous trouverez un véhicule qui vous conduira jusqu'au centre d'accueil. Mais c'est pas vrai. Pour les pièces de rechange, ça se passe en réserve, pas sur les panneaux de commande. Inquiets. S'ils ne sont pas convaincus dans 48 heures, je ne suis pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Oh. Alan, cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est un peu cette chose. C'est un dinosaure. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Ils sont rapides. Nous avons chronométré le T-Rex à 40 km/h. T-Rex ? Vous avez un T-Rex ? Pardon ? Redites ça. On a un T-Rex. Professeur Grant. Mon cher professeur Sattler. Bienvenue à Jurassic Park. Installer les rouages et les bidules. D'ailleurs, ça me va très bien, vu qu'il n'y a que des herbivores. Vous trouverez une super info dino là, juste en dessous.
le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier. Prenez place, s'il vous plaît. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de molécules d'ADN, les fondations de la vie. Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques, comme aujourd'hui. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique se posait sur une branche d'arbre et se collait dans la sève. La résine durcit et fossilisée. Grâce à des techniques sophistiquées, les savants du parc extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre. Et bingo, voilà l'ADN dino. Bonjour, Henri. Ah, bonjour, monsieur. Pile dans les temps. Leur mémoire fixe. La première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà. Donne le genre de rendre contenté, mais... n'est pas impossible. Une chose que l'histoire de l'évolution nous a appris, c'est que la vie trouve... toujours un chemin. De quelle espèce s'agit-il ? C'est un vélociraptor. Ils sont dangereux à 8 mois. Mortellement dangereux. J'ai chassé beaucoup de fauves dangereux, mais la façon dont ces saletés se déplacent... 80 à 100 km/h si on les laissait en liberté. Ils ont de la mémoire. Très bien, il est temps d'aller nourrir ces lézards. Bon, on y va. Ouais, ces cages ne seront pas assez grandes. Il y a à peine la place pour une chèvre. Là, c'est mieux. On peut ajouter une vache. Ça ferait pas partie du panneau de contrôle de l'enclos? On t'invite au resto, tu vas voir. La viande bovine. Raptor mange mieux que moi. Aïe, caramba! On est déjà le matin? Mon genou! Lo siento, je peux plus bouger. Dites à ma mère que je l'aime. Mais parce que c'est une douleur aussi vive depuis le jour où je me suis cogné petit orteil. Il faut quelqu'un d'autre pour piloter la grue. Mes blessures sont trop graves. Ah.
régalez-vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les nourrissent. C'est l'essence du chaos. Grand-père! Les enfants! Tu m'as manqué! Voilà vos moyens de transport pour l'après-midi. Il n'y a pas de chauffeur? Non, pas de chauffeur. Elles sont électriques, elles suivent ce rail au milieu du chemin, là. J'ai dépensé sans compter. Bienvenue à Jurassic Park. Et cette théorie du chaos? L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil. Regardez ça, j'ai raison. Vous voyez, personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan! Waouh! N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Elle est malade. Je dois insister, il faut que nous partions. Si tu veux bien, j'aimerais rester avec le docteur Harding pour m'occuper du Triceratops, si vous... D'accord. Ça a l'air d'arriver environ toutes les 6 semaines. Il faut que je voie les fientes de ce dinosaure. Voyons... Que dalle. C'est ça, un arbre à chapelet? Oui, nous savons que les baies sont toxiques, mais les animaux n'en mangent pas. Vous en êtes sûr? Pratiquement. De traces de baies des Indes. Bon alors, elle souffre d'intoxication du mélia. Alors? Ils sont dilatés. C'est tout de même très bizarre. Des micro-vésicules. Intéressant. T'inquiète pas.
Bravo, professeur Sattler, elle a l'air en pleine forme. Vous avez fait un travail du tonnerre. Oh, à ce propos, on ferait mieux de retourner au centre d'accueil. Le ciel se couvre. Il devrait y avoir une autre voiture garée dans l'abri au nord-est. Pas loin du centre d'accueil, professeur Sattler. Ça m'étonnerait que ce dino trouve l'équilibre sur ce pont. On ferait mieux de lui construire un autre passage. C'est pas vrai. En tombant, cet arbre a détruit le panneau de contrôle. Oh. Ah, d'accord, il n'y a pas de pont ici. Il y a un employé posté ici pour descendre l'échelle qui mène au portique. Mais bon, bah, on ne peut pas lui reprocher de fuir le mauvais temps. Par contre, il a dû s'en aller avec la voiture. On a plutôt intérêt à se trouver un raccourci, professeur Sattler. Hey, où est passée la manivelle de cette grille? Un dino a dû la dévorer.
Rappeleur, par là. En passant par ce trou, on peut rejoindre le centre d'accueil. Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait installer un système de verrouillage sur les portes des véhicules ? Faut mettre le 151 sur la liste des défauts. Nous avons tous les problèmes des grands parcs d'attractions et des grands zoos. Et nos ordinateurs ne sont même pas au point. Dennis ? Nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 8 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paye ? Silence ! Tous les deux ! Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Et n'oubliez pas, des embryons viables. Ils ne servent à rien s'ils ne survivent pas. 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de l'île. 19h, quai Est. Thank you.